sommes sur le salon Pro Durable, édition 2018. Je suis maintenant avec Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Christiane, vous êtes agricultrice et présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous m'avez dit juste avant cette interview que le monde bouge, bougeons. C'est votre slogan aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Nous avons eu des débats très importants la semaine dernière lors de notre congrès autour de ce thème, l'avènement du numérique, des nouvelles demandes en matière alimentaire, un besoin de compétitivité, d'innovation pour l'agriculture. Et sur tous ces sujets, nous sommes en mouvement. Nous ne le disons pas assez, donc nous avons décidé de le dire beaucoup plus parce que pour les agriculteurs, c'est aussi une façon d'afficher leur professionnalisme, leur modernité, mais aussi de s'inscrire dans des nouveaux projets. Par exemple, à propos du changement climatique, on a la possibilité aujourd'hui de démontrer que l'agriculture est une des sources de solutions pour la COP21 et la réponse à ces enjeux de lutte contre le changement climatique. L'agriculture a une spécificité singulière qui est de capter le carbone dans les sols, de produire des carburants verts, des énergies renouvelables. Et donc nous sommes une solution économique, sociale et environnementale. Et en cela, c'est positif. Et puis ça fait aussi des revenus complémentaires pour les agriculteurs. Les consommateurs, depuis une trentaine d'années, ont été habitués à penser qu'ils pouvaient manger toujours mieux et pour moins cher. On a aujourd'hui seulement 13% de la dépense des ménages qui est consacrée à l'alimentation. D'autres priorités ont pris le pas, le transport, le logement, le numérique. Mais on touche le fond. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas un rebond sur le prix payé aux producteurs français, on a un risque d'arrêt de la production en France et de délocalisation. Les Français mangeront quand même, mais des produits venant d'ailleurs et fabriqués dans des conditions complètement différentes et qui ne correspondent pas du tout à leurs souhaits exprimés. Donc notre challenge pour nous, FNSEA, représentant les producteurs, c'est de dire que produire une alimentation saine, sûre, durable, intégrant les attentes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire, de bien-être animal, d'utilisation de moins de chimie, ça a un prix. C'est une production premium et donc il faut reconstruire les prix en partant de ces exigences-là. Et quand on voit aujourd'hui le succès de la consommation de produits bio, de produits d'origine, de produits sous signe de qualité, de produits répondant à un cahier des charges spécifique, on se dit que les consommateurs sont plus prêts aujourd'hui, après des crises alimentaires qui les ont marqués, à se dire que finalement payer un petit peu plus pour garder cette alimentation qualitative, c'est possible et ça vaut le coup. Il y a un foisonnement d'initiatives qui ont réussi à le faire, c'est qu'ils patrons, mon lait, éleveurs engagés en matière de viande ou agriculture raisonnée contrôlée pour le blé par exemple. Donc il faut multiplier ces produits qui ont un sens sur le mode de production et que ça se traduise par des centimes en plus qui reviennent jusqu'aux producteurs. Et quels vont être vos prochains enjeux en termes de RSE et quels sont également vos enjeux actuels ? Alors, le principal enjeu du moment, c'est le suivi de la loi suite aux états généraux de l'alimentation, la loi alimentation, pour faire court, qui a deux volets. Un volet qui doit améliorer les relations, rétablir un seuil de revente à perte digne de ce nom pour éviter des marges zéro que les distributeurs compensent ailleurs, pouvoir renégocier quand il y a une fluctuation des prix des matières premières, un nouveau code de la route des relations commerciales avec des sanctions et des contrôles. Ça, c'est le premier volet. Et puis, pour répondre à l'attente qualitative, c'est justement être capable d'avoir des contrats au sein de la chaîne alimentaire associant tous les acteurs, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les consommateurs sont en attente, mais ils sont changeants. Donc, il faut les fidéliser en mettant en place ces cahiers des charges, engagement sur des durées plus longues qui rassurent les producteurs et qui nous permettent ainsi d'investir, de moderniser, en étant sûr que le débouché sera assuré. Donc, c'est une montée en gamme, mais qui nécessite un contrat gagnant-gagnant entre les trois acteurs. Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et nous sommes au Salon Pro Durable, édition 2018. Merci.